En 75 en France, la loi Veil est passée pour la légalisation de l'avortement. Ça fait maintenant 45 ans. Alors qu'en Argentine, en 2020, ce n'est toujours pas le cas. L'avortement est toujours clandestin. Et Femmes d'Argentine raconte ce parcours en 2018 du vote entre les députés qui ont validé cette loi de légalisation et le Sénat, deux mois plus tard, qui l'a rejetée. Le réalisateur, Juan Solanas, s'est intéressé à différents parcours de vie, beaucoup de parcours de vie, que ce soit de femmes qui ont avorté clandestinement malheureusement, ou que ce soit des parents qui ont perdu leur enfant suite toujours à ces avortements clandestins. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce film qui est nécessaire aujourd'hui pour la cause des femmes en Argentine.